Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un nouveau masque qui vient tout récemment de sortir, qui m'intriguait beaucoup trop. C'est la marque Dr. Jart. Puis, honnêtement, je me suis fait avoir par le marketing, ok? Parce que, est-ce qu'on peut prendre une minute? C'est tellement cute, là. C'est dans un petit pot comme ça. Regardez ça. Regardez la petite face. Je pouvais pas l'acheter, ok? Puis en plus, là, j'ai cherché, là, puis il y a des Sephora qui l'avaient, qui les avaient pas encore reçus, là. Puis moi, je voulais celui hydratant pour être sûre de pas trop scraper ma peau. Donc, j'ai décidé de le tester en vidéo parce que c'est ça, je trouvais ça beaucoup trop le fun. Je me suis dit, je peux pas garder ce plaisir juste pour moi et je dois le partager. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous laisse écouter la vidéo. Okay. Il y a deux trucs. Ok, oh mon dieu, c'est tellement cute. La petite affaire là, ici, c'est la spatule. Oh, j'adore appliquer des masques avec ça, en plus. Parce que ça s'applique vraiment mieux que quand on utilise tous nos doigts. Puis ça se met partout. Super boost. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pris celui hydratant, donc sûrement que les autres ont toutes deux étapes là. Puis hydratation intense. Ok, donc c'est vraiment bizarre la texture là, ça a l'air comme ça là, c'est... Arc! Ouh, c'est le fun! Puis on met ça dans le petit pot. J'ai l'impression d'en gaspiller beaucoup là, ça va quand même mal avec la petite spatule. Puis aussi, vraiment pas beaucoup là. Comme... Bref. Bon, si vous allez voir, c'est bleu, ben bleu pas très beau. Donc on bouche le trou de la petite bouche. Puis on va venir remuer comme ça la shape. Oh my god! J'ai checké, je crois, 2 secondes, puis checké comment c'est doux. Donc, j'ai attendu, là, je crois que ça fait environ 2 minutes. Je vais commencer à appliquer. Oh là 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 là! C'est vraiment drôle. C'est vraiment froid sur la peau, là! J'ai pas de miroir, donc j'utilise le réflexe de ma caméra, mais... Mettre dans mes cheveux, ça serait le fun. Puis ça sent, mais c'est pas trop parfumé. Présentement. Donc, je vais laisser agir pendant 15 à 20 minutes, puis je vous reviens. Sec, donc là, on va... Ah, oh, c'est vraiment bizarre. Oh mon dieu, c'est vraiment... Oh! Ma peau, là, elle est tellement froide en ce moment. Ça a vraiment laissé comme une sensation de fraîcheur. Puis, je pense que ça l'a hydraté. Ma peau est vraiment douce. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous le recommande seulement pour l'essayer. C'est sûr que c'est pas le masque qui fait le plus d'effet. Puis ça, on s'en attend, là. C'est plus un masque qui est fait pour... pour tester justement, mais je vous le recommande si vous voulez avoir beaucoup de plaisir. Puis ouais, moi je l'aime quand même, ça a laissé vraiment une bonne fraîcheur sur ma peau. Donc je vous dis à la prochaine, bye!